Salut à tous. Alors, on est là pour un nouvel épisode. Comme certains le savent, j'ai déménagé récemment à Montpellier. Donc, on est sur la place de la comédie. Aujourd'hui, on va pas tirer un trick au sort ou se mettre des défis comme ça. Aujourd'hui, le défi va être basé sur un trick que j'adore. Mais le but, ça va être de le faire sur le plus de skateparks possible autour de Montpellier. Comme ça, vu que j'ai pas roulé depuis un petit moment, bah, ça me mettra dans le bain et ça me permettra de découvrir et de m'habituer au spot des alentours. Le trick choisi, c'est le flair, parce que j'adore vraiment ce trick. Et je trouve que dès qu'il y a un quarter, on peut en faire un, donc ça peut être marrant, quoi. Allez, c'est parti, on va faire le plus de flair possible aujourd'hui. Donc voilà, on arrive au premier skatepark, le plus connu. On commence par Gramont, comme ça c'est fait. Allez, c'est parti. Donc alors à Gramont, il y a deux spots, juste deux, rien d'autre. Lui, pas qu'à mal, ça, son bac à mousse, c'est là qu'il apprend tout. Et le fly out à Malik Benafitou, dédicace à toi, le mec le plus relou de la galaxie. Mais bon, on lève, hein. Voilà, c'est là. Voilà. C'est ici que tout se passe, juste là, rien d'autre. Là et là. Il n'y a pas d'autre spot à Gramont. Le hip à Kamal et le fly out à Malik. C'est tout. Gaël, tu nous fais une petite ligne pour la vidéo? Un truc bien old school, là, ton foot jam sur le calpier avant, là, tu sais. Allez. Un truc old school. Yo. Tadam! Bon, le flair c'est fait, maintenant petite séance de crossfit avec Gaël Robert. Donc voilà le parc de Saint-Brest. Donc je comprends pas pourquoi les Montpellierains m'ont amené ici. Franchement, le parc il tue quoi, il est trop bien. Voilà! Il y a tout ce qu'il faut. Donc à Gramont, on a fait un flair un peu en hip quoi. Ici il y a des vrais quarters, donc on va faire un flair normal, peut-être plus basique. Allez. Oh la grosse tug, il y a mis des autocollants Sirius sur les modules quoi. Oh la tug. Oh comme ça glisse. Donc on va faire un flair normal, peut-être plus basique. Allez. La ligne est passée. Tout à l'heure à Gramont c'était corde à sauter. Maintenant sur du gradure ça va être des pompes d'être qui sont là-bas. Quoi. Donc voilà, petit spot d'entraînement quoi. Allez, sur du gradure. Sur du gradure. Allez. Des on gagne le fils, allez. Le tout tour. Le petit gradier a changé. Allez. Allez, on lâche rien là. Allez, on va le nickel, Logan Martin. Maintenant, on est arrivé au skatepark de Castries. Et alors, celui-là, j'adore ce parc. Hein. Mais sur ce quarter, je ne sais pas faire de flair limite. Genre, je galère vraiment. Je suis venu ici il y a deux jours, je crois, avec Floffy, Florian Ferras, followé sur Instagram. Et je crois qu'il m'a fallu, je sais pas moi, 10 essais pour mettre un flair sur ce quarter. Quoi. Donc je me mets un petit défi, quoi. Je me suis pas échauffé, je l'ai pas essayé. Je mets le casque, bam, et j'y vais, quoi. Tiens, c'est comme ça, à froid. Allez, c'est parti. Bon, je suis content, je suis pas mort, j'ai mis du premier coup, mais je vais quand même le refaire parce que là, c'est pas acceptable ça. Là, c'est autour du parc de Vandarc de se prendre un gros flair dans sa face, tu vois. Bon bah voilà, on a mis le flair de Vandarc, on a mis même deux flairs de types différents. Le deuxième, il est un peu Tanguy la Bertrand, il me semble. Donc c'est cool. Allez, prochain parc, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Jacou à mon avis. A de suite. Nouveau défi là,
Donc on va ramener un dromadaire au skatepark pour faire des dromaflaires. Moi je trouve qu'il est méga stylé. Franchement Malfi, si tu veux je te le ramène. Ceux qui ont chaud de faire des dromaflaires, bah écoutez, c'est on est où là? Où est-ce qu'on est? On est pas loin de Jakku, donc on peut le ramener au parc de Jakku celui-là. Regarde là-bas, dromaflaire. Oh putain, je vais ramener un dinosaure. Dromaflaire. Ça fait quand même un peu peur mine de rien. Tiens. Oui, c'est une marche dessus là. C'est bien qu'on y part fier et tout. Gros mafler. Gros mafler. Gros mafler. Bon, gros mafler. Au revoir. Regarde, il est trop dingue, venir avec nous au parc. On a fini avec Vandargue. Hop, un petit flair à Jakku. Et ensuite, on ira, je sais plus où, mais on verra. Là, là on a un champion là. Voilà. Salut la caméra. C'est quoi ton Snapchat déjà à toi? Je crois que c'est Scrappy Coco One. Scrappy Coco One, pour ceux qui veulent. SCRAPYSCOCOONE. Voilà, donc les filles qui veulent voir des phallus, des pénis, ajoutez-le sur Snapchat parce que lui il envoie. Remonte. Tu veux voir mon Titans? Ah, franchement, il est beau. Je montrerai bien ma tête, mais. Vas-y, les followers, on va attendre non, un petit peu. Non, mais vas-y. Ah, ils vont pas me follow sinon sur Snapchat, c'est mort. Ah, bah ouais. Donc allez sur Snapchat et vous verrez son pénis. Voilà. Non, sérieux, on a dit, allez! Fais un vrai truc là! Un truc avec un ice pick, Coco! Ouais, je vais t'arrêter avec la clavicule à Marseille! Fouuuu! Tu fais trop rire, abruti! Là, c'est là, on peut... Quel âge tu as? 12 ans. Non, t'as pas 12 ans, toi, t'as des gros bras, c'est mort, je te crois pas. T'as quel âge en vrai? 18, t'as 19, t'as. Ok, vas-y. Allez. Essaye d'aller plus haut et moins loin, tu sais, de pas te laisser porter. Yes. Ah, tu vois, essaye de limite un peu plus droit. T'as peur d'aller là-bas, c'est ça? En fait, c'est qu'avec la vitesse, tu sais, tu te fais emporter là-bas, quoi. Sinon, le geste est nickel, quoi. Allez, va pas trop vite, va pas trop vite. Ah, va falloir que tu le mettes parce que je suis pressé, il faut que j'y aille, moi. Yeah! Bim, nickel. Allez! Youhou! C'est quoi ton nom? Hugo. Ok, enchanté. C'est quoi ton Instagram? Hugo Durand. Hugo Durand? Ouais. Ok, tu veux faire R quoi alors? Airtable. Ouais, mais craque-le alors, tu me fais un vrai Perazza quoi. Donc maintenant c'est plus Coco Martin, c'est Coco Girac. Allez Kenji, montre-moi ta coupe. Non, ça interdit ça. Ça, je peux pas le publier. Celui-ci, c'est le skatepark de Clapier, la ville de Simon Hugoin. Franchement, celui-là, je le déteste. Je crois que j'ai dû rouler une seule fois il y a 2-3 ans. Je sais même pas si j'ai réussi à faire un flair ici, donc on est là pour essayer, on verra bien. Je vous promets rien. Et une fois que c'est fait, on s'en va parce que je déteste le skatepark au plus profond de mon être. Bon bah voilà, le flair à Clapier c'est fait, j'y retournerai plus jamais, c'est fini, désolé Simon. Allez, maintenant Castelnau, et c'est le dernier parce que je commence à être vraiment fatigué, je crois qu'il n'y en a plus d'autres. Donc on est enfin arrivé au skatepark de Castelnau après un bon moment de voiture parce que je me suis perdu comme un gros abruti. Il fait vraiment sombre, mais bon, les couleurs sont jolies, c'est mignon, c'est cool, mais je suis vraiment fatigué, donc ça va être le dernier flair. Pour finir la vidéo, on va essayer de mettre un max d'énergie là, on donne tout, dernier flair. Si celui-là il passe, ça va être flair à l'ostra, on va sortir. Ah. C'est mis le plus smooth de la journée, je crois. Je suis méga fatigué et que j'en peux plus. Donc on finit bien la journée. Un petit flair au coucher de soleil là. Ça va être l'heure de prendre une bonne douche, de bien manger. Et d'aller faire des méga flairs à l'Ostra. Alors
essayer d'être avec ma mère.